Mais attends, mais attends, mais attends. Qu'est-ce qu'on raconte là Putain. Bon, honnêtement, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Parce que je ne dirais pas que euh, je, je, je souhaiterais que sa mort soit confirmée. Mais attends, 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 Parce que euh, Fort est dit que je suis allé un peu trop vite en besogne. Voilà. Je ne suis pas en train de confirmer. Effectivement, qu'il n'est pas mort. Mais, selon ce que je vois sur la toile, selon le poste de certains de ses proches, il se pourrait que notre Bob Lee ne serait pas mort. Attends, attends, attends. Hey! Mais, Rito. Quand même, Rito, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Imaginons un seul instant que c'est vraiment vrai. Franchement, j'ai diminué mon kilo. Franchement, j'ai diminué mon kilo. Parce que, mine de rien, je me suis limité à, à ce foisonnement, ce flux d'informations aussi négatives sur la mort de cet influenceur-là. Bon, jusque-là, on attend. Parce que je sais pas. Est-ce que vous êtes au courant que beaucoup de personnes dans l'entourage de Bob Lee sont en train de nous faire comprendre que Bob Lee ne serait pas mort, mais qu'il serait, on va dire, en soins intensifs, dans un hôpital aux États-Unis? Mais attends-là. Mais attends là. Parce que bon... J'ai été maladroit. Je ne sais pas comment je l'ai dit. Non, attends, 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 attends. Parce que moi jusque-là, j'étais sceptique. Donc je parlais au conditionnel. Mais lorsque j'ai regardé la vidéo du grand frère Guillaume Vegas, où il a contacté Mathilde là qui nous avait dit qu'elle partait à New Jersey pour voir effectivement si son frère n'était plus. Et qu'il l'appelait, il était en pleurs. Franchement... Pour vous dire vrai, je suis tombé dans le panneau. En tout cas, si effectivement Bobby n'est pas mort, je suis tombé dans le panneau. Parce que franchement, je tombe des nuages. Je n'arrive pas à croire. Attends, on est dans quel film là oh! Même le plus grand marmaillé de la toile, le révérend Camille Makoso, n'en revient pas. Non, honnêtement, pour vous dire vrai. Je souhaite qu'il ne soit pas mort. Je souhaite qu'il ne soit pas mort. C'est vrai qu'on a beaucoup confirmé qu'il est mort. On a fait plusieurs posts, que 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 ce soit moi, que ce soit des pages, que ce soit des 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 des, des, des journaux, euh, people et tout. On s'est tenu seulement qu'à une information, sans preuve, sans preuve, parce que le corps même quand on sort là dans la vidéo, c'est pas euh, le supposé corps de Bob Lee, parce qu'on n'a pas vu son visage et tout ça. Franchement, si c'est un buzz, je dirais que c'est l'un des plus gros buzz jamais réalisé en Afrique. Ah ben, sérieux. Pour ne pas dire précisément en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un buzz. Il n'y a pas un buzz à la hauteur de ce buzz-là. Parce que, honnêtement, je suis vrai, je suis effectivement étonné et choqué. Comme on dire que ce ne serait pas mort, mais en même temps, je ne je, je, je sais pas où je me donner de la tête. Parce que, attends. Je prie qu'il soit en vie. Honnêtement, je prie que, que, que Bob Lee soit en vie. Parce que c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, elle n'est pas confirmée. Et je pense pour ma part que à partir de cette vidéo, à partir de cette vidéo-ci, je ne peux plus prendre une information comme ça, même si sa propre femme venait faire une vidéo pour nous dire qu'effectivement son mari est mort, même si ses propres enfants venaient nous faire une vidéo pour nous dire effectivement son, le, le, le papa est mort, tant que je ne vois pas le corps de Bob Lee tant qu'ils n'ont pas inhumé le corps de Bob Lee, comme le corps du défunt du, fils de, 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 de la blogueuse euh, Love Dugu, franchement, je ne crois plus à rien. Désolé, désolé, désolé à tous les proches de Bob Lee, parce que je me suis lancé dans cette mouvance-là euh, pour euh, relater cette mauvaise information et compatir aussi à votre douleur. Mais si ça s'avérait effectivement que notre Bob Lee ne serait pas mort, je dis Dieu merci. Et je m'en réjouis vraiment et totalement. Mais en même temps... Je reste bouche bée à partir de cette vidéo-là. Plus de vidéos sur Bob Lee jusqu'à nouvel ordre. Imaginez que ce dernier-là ressorte sur la toile et lance une directe. Mais je vous promets qu'il fera peut-être 200 000 personnes en direct parce que attends, c'est c'est un revenant parmi les vivants. Mais oui, c'est comme s'il il, il, il revenait des morts. Non 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 non, celle là là c'est trop lourd ce buzz là franchement. C'est trop lourd. Et je n'ai pas envie de dire que je veux que ça reste un buzz parce que je veux vraiment effectivement qu'on nous dise que euh, effectivement c'était un buzz. Il a, il a, il a concocté avec euh, euh, son ami et tout qui a balancé la mèche à Yaka Yaka qui l'a confirmé en direct et puis c'est parti. Mais en même temps aussi, c'est un buzz de mauvais goût. C'est un buzz très déplacé. Voilà. Quand on connaît euh, le personnage très atypique de Bob Lee, ça va rien lui dire. Il aura euh, les propos qui vont avec pour nous convaincre comme quoi il voulait voir si on les met vraiment et tout. Mais franchement, c'est un buzz de nouveau goût. C'est un buzz de nouveau goût. Si vous avez bien remarqué, je n'ai même pas fait d'introduction. Je suis allé directement dans la vidéo parce que c'est lourd. Huh? Imaginez un seul instant, effectivement, que le grand Bobby ne soit pas mort. Imaginez un seul instant. Parce que mine rien, jusque-là, on n'a aucune preuve. On a juste Yaka Yaka, au-delà des rumeurs, qui nous dit que. Il a appelé un ami très proche de Bob Lee qui a confirmé effectivement que Bob Lee serait parti. Attends. Cet ami-là, il doit être vraiment un ami. Je dis pas un bon ami ou bien un mauvais ami, mais franchement, c'est un ami atypique aussi, hein. Ton ami va te demander de dire effectivement, de confirmer effectivement que je suis mort. Et puis tu vas ébranler contre toute une nation. Parce que mine de rien, ce Bob Lee-là, bien qu'il était atypique, cru, et, et, et trop, trop, trop direct, trop grossier parfois trop maladroit dans ses propos, mais il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup d'adeptes. Donc vous voyez combien de fois c'est sérieux cette affaire-là. Mais attends, de vous à moi, dites-moi en commentaire. regard oh, regardez tout ce qui se passe là. Allez sur Facebook et regardez un peu et la suite des événements. Vous allez voir que... Et mieux comprendre, je dirais, combien de fois je suis mélangé. Combien de fois je suis débousselé parce que je ne comprends pas. Bob Lee ne serait pas mort. Bob Lee serait encore en vie. Bob Lee aurait simulé sa mort. Ouais, c'est lourd. Ouais, c'est lourd, 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 c'est lourd. Attends là. Mais attends, honnêtement, chers abonnés. Comme j'ai dit, je présente sincèrement mes excuses. Parce que j'ai fait des vidéos aussi pour dire effectivement qu'il était mort et tout. Quand je vous dis vrai, ça m'a pris, j'y croyais. Maintenant, s'il n'est pas mort, tant mieux. Mais c'est franchement un buzz de mauvais goût. On ne peut pas s'amuser avec la mort. Mais attends, vous voyez un peu combien de fois, les réseaux sociaux n'ont plus de limites. Moi. Tu as me donné combien pour simuler moi-même ma mort Qui a envie de mourir maintenant Qui a envie de mourir maintenant Ceux qui m'aiment vont toujours m'aimer. Ceux qui ne m'aiment pas, pendant ma vie, après ma vie, oh. après, euh, chose, euh, euh, ma vie oh. et même si je suis mort, il y aura des personnes qui vont m'aimer, il y aura des personnes qui vont me détester. Et donc, je n'ai pas besoin de venir simuler ma mort. Imaginez un seul instant que cette information, cette nouvelle information qui est en train de courir sur les réseaux sociaux, là, soit, 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 soit vraie. Et regardez comment ces vilains s'est déplacés. Ouais, Bob Lee, tu m'as eu. Le grand temps que je suis. Qui est très observateur avant de se prononcer sur chaque sujet. Mais franchement, tu m'as rendu petit. Ouais. En tout cas, au-delà de, de de cette vidéo euh, où je suis franchement choqué et déboussé là, je, je je prie vraiment que ce soit vraiment euh, une information vraie, que notre bobby soit seulement en soins intensifs pour recouvrir la santé. Mais je prie aussi que tous ces fans, toutes euh, trucs, euh, et, et ces adeptes, pour ne pas dire tous ceux qui le suivent, croient aussi comme moi que C'est un buzz, c'était un buzz. Il n'était pas mort et qu'il nous lance directement. Dit effectivement, je vais mieux et ma mort, c'est pas pour maintenant. Ce sera peut-être pour un jour, mais c'est pas encore le jour. Et puis, on va l'insulter. Moi, en tout cas, je vais l'insulter ce jour-là, les gars. Je vais l'insulter dangereusement. Je vais lui dire ce qu'ils n'a pas dit à quelqu'un. et Peut-être que je vais ouvrir un clash entre moi et lui parce qu'il apparemment il, il pense qu'il est très fou en clash. Il faut que, faut que cette histoire-là, s'il est vraiment en vie, je fasse une vidéo spéciale. Et puis je veux lui expliquer ce qu'on appelle l'éthique morale et, 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 et les mœurs et tout ça. On ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas jouer avec nos mœurs comme ça. Pendant que tout le monde est en train de pleurer, et puis on, on est en train de nous dire que c'est un buzz. Je, parle, je ne parle plus de cette histoire de Bob Lee. Voilà, moi je ne parle plus de ça. J'ai fait juste cette vidéo-là pour vous dire combien de fois je suis étonné de cette information. Il se pourrait, je dis, je ne l'ai pas confirmé. Il n'a pas dit qu'il n'est pas mort. Il se pourrait que Bob Lee ne soit pas mort. On attend de voir ses funérailles. On attend de voir les preuves qu'il est effectivement mort. que je suis là... Quelqu'un ils sont allés prendre à, 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 chez lui à la maison, euh, les policiers l'ont envoyé, je ne sais où. Il n'y a même pas une photo à la mort. il n'y a pas une photo de, de lorsqu'on partait le prendre euh, chez lui à domicile. Il n'y a aucune photo actuellement, c'est juste une vidéo lointaine. Non, attends, sérieux. On a quand même été un peu sérieux. Voilà, je prie et j'ose croire qu'il est encore en vie. Pour moi, Bob, il n'est plus mort. Et désolé à toutes les personnes que j'ai choquées par mes précédentes vidéos. Voilà, mais j'avais aussi mal parce que on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un, quel que soit Alpha. Moi, je ne sais pas faire ça. Voilà. Vos avis contre, dites-moi un peu, hein, parce que franchement c'est lourd.